Toutes tes demandes, maintenant je le sais.
de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton père. Seigneur Jésus, tu nous as demandé de veiller pour ne pas entrer en tentation. Nous appelons vers toi. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur,
tu as promis, quand deux ou trois prieraient en ton nom, d'être au milieu d'eux. Enseigne-nous la prière véritable. Purifie ton Église qui te cherche en ce temps de pénitence, qu'elle avance vers Pâques dans la force de l'Esprit. Toi qui as tant aimé les hommes, saisis-nous de ta charité. A souffert la croix pour le salut du monde. Fais-nous lutter pour ta justice. Reçois dans l'éternité bienheureuse ceux qui meurent et donne-nous d'accueillir notre mort comme un passage vers la vie. Seigneur, regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.